dernier règle très important que c'est que personne n'a pas touché. Non, effectivement, là où Valérie est. Alors aujourd'hui, on reçoit les lecteurs de la bibliothèque des Justices d'Angers. Ce qu'il faut savoir que la thématique des bibliothèques cette année pour la ville, c'est les sciences. Donc ils ont souhaité en fait réaliser un partenariat. On les reçoit aujourd'hui sur l'atelier Chimères et taxidermie, qui est un atelier en famille à partir de 6 ans. Un atelier qu'on a testé en fait l'année dernière sur les vacances de fin d'année, qui est un des best-sellers, on peut dire, du muséum. Qui cartonne, donc on va en rajouter pour les prochaines vacances scolaires de fin d'année. Et en fait, l'idée de l'atelier Chimère et taxidermie, c'était de pouvoir aborder les notions de taxidermie avec du jeune public et des adultes qui ne connaissent pas forcément. La taxidermie, c'est tout simplement l'art de naturaliser les animaux, c'est classé en métier d'art. Et en fait, la naturalisation, la plupart des gens connaissent le mot empailler, empailler un animal, on mettait de la paille avant. Et la naturalisation, en fait, c'est d'ailleurs qu'aujourd'hui, on va présenter les animaux comme s'ils étaient dans leur milieu naturel. C'est-à-dire que la tigresse qui est présentée, on ne va bien sûr pas la présenter en train de lire un journal, simplement parce que dans la vraie vie, un tigre, une tigresse ne lise pas le journal. Tout simplement, donc on les présente plutôt... Alors on pourrait imaginer une position de marche, peut-être de chasse, de recherche de proie, dans la manière dont on l'a fait dans la ronde des mammifères. Et donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir parler un peu de science aussi. La taxidermie, c'est aussi une science. Et puis de faire le lien avec les chimères, parce qu'en fait, l'histoire de la taxidermie, la technique, l'évolution de cette technique, en fait, date du Moyen-Âge, déjà, il faut le savoir. On s'est déjà posé là-dessus la question, même au niveau de l'époque égyptienne. Et en fait, il y a un lien très fort en France, dans l'histoire de la taxidermie, il y a un lien très fort entre les chimères et la taxidermie. C'est parce que des scientifiques du Moyen-Âge ont voulu réaliser des chimères, en fait, que l'art de la taxidermie s'est développé et que la technique, en fait, s'est développée et est arrivée à toutes les techniques qu'on connaît aujourd'hui, sachant que c'est à chaque fois des recherches, parce qu'il y a des animaux que les taxidermistes ont l'habitude de naturaliser et d'autres, au contraire, qui sont plus compliqués parce qu'on ne naturalise pas un oiseau ou un animal avec des poils de la même façon, tout simplement. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que dans nos collections, on a des chimères. On a deux chimères au muséum qui ont été fabriquées par le taxidermiste du muséum, Michel Beuchet, puisqu'on est un des rares muséums à encore avoir un taxidermiste. Dans tout l'ouest de la France, on est les derniers, puisque l'autre muséum est à Nantes et ils n'ont pas de taxidermiste à demeure.